Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus à notre activité. Nous commençons les mathématiques, mais cette fois-ci, c'est le problème. Problème que nous allons essayer d'apprendre. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée pour quelqu'un qui exerce le commerce? Comment on l'appelle? C'est un commerçant. Et lorsqu'il fait son commerce, quelle est l'utilité du commerce? C'est pour acheter et vendre et obtenir quoi? Le bénéfice. C'est ça ce que nous avons dit. Et nous avons laissé un petit problème aussi. C'est le problème de... Problème. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour l'anniversaire d'Assani, pour l'anniversaire, pour l'anniversaire de l'élève de la sixième année, de l'élève Hassan qui est en sixième année, son père lui donne. Son père lui donne 100 000 francs congolais. Sa mère lui donne 50 000 francs congolais. Et son oncle, qui l'aime beaucoup aussi, et son oncle et son oncle 20 000 francs congolais. Avec cet argent, Hassani achète une montre. À 60 000 francs congolais. Et le reste, elle achète des biscuits. Que faut-il faire pour résoudre ce problème. Nous lisons notre problème pour l'anniversaire de l'élève. Ici, c'est deux. De l'élève Hassan, son père lui donne 100 000 francs congolais, sa mère 50 000 francs congolais et son oncle 20 000 francs congolais.
Il faut faire maintenant pour trouver la réponse. Quelle opération allons-nous utiliser ici? Pour tout d'abord savoir le montant total de d'Assam. Nous allons décrire solution. C'est quelle opération que nous allons utiliser ici? C'est l'addition. Nous allons additionner 100 000 plus 50 000 plus combien? 20 000. Oh, 20 000. Nous aurons ici 100 000 plus 50 000 plus 20 000. L'opération, c'est l'addition. Appelle-t-on le résultat de la c'est la somme. Donc nous allons trouver la somme ici. 0 plus 0 plus 0, 0. 0 plus 0 plus 0, 0. 0 plus 0 plus 0, 0. Ici encore 0 plus 0 plus 0, 0. 5 plus 2, 7. Et 1 plus 0 plus 0, c'est 1. Donc la somme total d'Assane, c'est 170 000 francs congolais. Maintenant, le reste, avec cet argent, il a acheté une montre. Nous allons faire quelle opération? La soustraction. Donc, 170 000 francs congolais moins 60 000 francs congolais. La différence, c'est 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 7 moins 6, 1, 1 moins 0, 1. Nous avons 110 000 francs congolais. Donc 170 000 francs congolais moins 30 000 francs congolais égale 110 000 francs congolais. Et avec 110 000, elle achète le biscuit. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans notre activité? Nous avons un vendeur qui vend ses marchandises. Et nous avons un acheteur qui a acheté la marchandise. Le vendeur, nous ne connaissons pas son prix d'achat. L'acheteur ici, c'est un consommateur. Il a acheté pour aller manger. Il a consommé tout ce qu'il a acheté. Maintenant, pouvons-nous connaître le bénéfice réalisé par le vendeur ici? Non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de données. Nous ne connaissons pas le prix d'achat du vendeur. Ici, nous savons seulement le prix d'achat de l'acheteur. L'acheteur n'est pas un commerçant. Lui, c'est un consommateur. Maintenant, sur ce, nous allons étudier, nous allons apprendre aujourd'hui comment trouver le bénéfice. Parce que lorsqu'on
qu'on fait le commerce, c'est pour avoir un bénéfice. En achetant la marchandise et en le revendant, c'est pour obtenir un bénéfice. Et le bénéfice, là, c'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite. Nous avons maintenant un commerçant. C'est toujours le papa d'Hassan qui est un grand commerçant. Il vend des motos. Donc, notre problème... Il y avait Dieu écrit. Papa. Le papa. Le papa d'Hassani. Est un commerçant. Est un commerçant. Il achète une moto à 2 millions de francs congolais. Il la révèle à 2 250 000 francs congolais. On nous demande quel sera son bénéfice ou gain. Quel sera son bénéfice ou gain? Nous avons notre problème au tableau. Lisons le problème. Le papa d'Hassani est un commerçant. Il achète une moto à 2 millions de francs congolais. Il la revend à 2 250 francs congolais. On nous demande quel sera son bénéfice. Pour bien résoudre ce problème, il faut connaître tout d'abord les étapes d'un problème. Quelles sont les étapes d'un problème? Nous avons tout d'abord, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution. 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 Tout d'abord, nous devons chercher les données. Données. Les données. Qu'est-ce qu'on nous a donné ici? On nous a donné le prix d'achat. En cinquième année, on a déjà vu ça. Comment est-ce que on écrit le prix d'achat? C'est PA, prix d'achat de la moto, c'est combien? 2 millions de francs congolais. Qu'est-ce qu'on nous a donné encore? On nous a donné encore le prix de vente. Prix de vente. C'est combien le prix de vente? 2 250 000 francs congolais. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de trouver
ce qu'on dit, on demande de trouver on demande de trouver le bénéfice. Donc bénéfice égale point d'interrogation. Nous avons dit que le papa d'Assani est un commerçant. Il achète des marchandises pour les revendre. Ici, il a acheté à 2 millions de francs congolais la moto. Il l'a revendu à 2 250 francs congolais. Maintenant, quel est le bénéfice? Ici, maintenant, il faut trouver la formule. Formule. Quelle est la formule pour trouver le bénéfice ou les gains? Bénéfice égale prix de vente moins prix d'achat. Bénéfice égale prix de vente moins prix d'achat. Alors maintenant, nous allons utiliser les opérations. Les opérations qui vont nous permettre de trouver le bénéfice. Ici, nous avons quelle opération? Bénéfice égale prix de vente moins prix d'achat. C'est la soustraction. Donc, bénéfice égale, nous allons prendre le prix de vente, c'est 2 250 000 francs congolais moins 2 millions de prix. Le prix d'achat égale combien? Nous allons disposer verticalement pour bien résoudre notre opération. 2 250 000 francs congolais moins 2 millions, moins 2 millions de francs congolais. Barre d'égalité. Rapidement, trouvons la réponse. 0 moins 0, 0. Francs congolais. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. 5 moins 0, 5. 2 moins 0, 2. 2 moins 2, 0. Donc nous avons trouvé notre bénéfice. C'est combien? 250 000 francs congolais. Donc bénéfice égale 250 000 francs congolais. Que tout le monde a bien compris. Le bénéfice, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre leçon d'aujourd'hui sur le prix d'achat, prix de vente et bénéfice? Pour qu'il y ait bénéfice, nous devons avoir tout d'abord le prix d'achat. Et deuxièmement, le prix de vente. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? La différence entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est le surplus-là que nous appelons bénéfice ou gain. Exercice. Rapidement. Prix d'achat d'une voiture. 50
millions de francs congolais. Prix de vente, 800 millions de francs congolais. Maintenant, on demande bénéfice égal. Qu'est-ce que nous allons faire directement? La formule, bénéfice égal, prix de vente moins prix d'achat. Et vous faites bénéfice égal 100 millions moins 500 millions de francs congolais. Directement, la réponse, bénéfice égal mentalement, 8 moins 5, c'est combien? 3. Si nous voulons calculer ici, nous allons faire 800 millions moins 500 millions. 0 moins 0, 0, 0 moins 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Donc le bénéfice, c'est 300 millions de francs congolais. Devoir à domicile, que vous allez faire rapidement, devoir. Ici, prix d'achat, c'est 1 milliard de francs congolais et prix de vente, 4 milliards de francs congolais. On vous demande de trouver le bénéfice. Vous allez trouver le bénéfice. Et vous allez m'envoyer dans mon numéro WhatsApp 243 89 89 22 999. Monsieur Peter Ndomba. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de notre branche de mathématiques problèmes.